chauffeur, particulièrement avec, à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si, par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crache. Sans doute à cause de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention. C'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre quatrième fille Barbara. Et toutes mes filles sont nées en 13. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité. À propos, j'ai oublié de vous dire, ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas un copec, alors, mais à quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité.